Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wasteland 2. On se retrouve donc tout juste après cet immense combat que j'ai mené la dernière fois, qui n'a pas été très glorieux mais qui a été hyper long. On va recharger pour tout le monde, c'est bon. Ça a été extrêmement compliqué de venir à bout des soldats qui étaient juste ici. Tout simplement parce qu'ils avaient une position défensive très 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 bonne et moi j'avais une très mauvaise position d'attaque. Mais ça y est, c'est fait, j'ai réussi à les tuer au bout de plus d'une heure et quart d'enregistrement que j'ai cuté évidemment au montage, parce que sinon ça serait infâme pour vous de voir toutes mes tentatives. Voilà, en tout cas j'ai réussi à les avoir. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas ça n'était pas notre destination finale que ce centre, puisqu'il n'y a rien de particulier, hall de l'usine. Donc maintenant on a fait à peu près, enfin on n'a pas fait tout le tour mais on a fait disons la symétrie, donc on va aller par là, on va remonter, il va y avoir d'autres combats j'imagine, hein, ça me paraît logique. Et puis on va aller après vers le nord. On fait tout le tour parce que la porte devait être fermée ici j'imagine. Bon, c'est pas grave. Et après il faudra aller vers le nord, par ici, par là, là. On verra bien ce qu'on va rencontrer dans cette nouvelle citadelle. Alors là on est plutôt bien en termes de trousse de secours, ça c'est pas le problème. Non, le problème c'est les kits de soins. J'en ai plus que deux. Et ça, c'est relou, parce que ça veut dire que je ne peux soigner que deux personnes. Enfin, je ne peux ressusciter que deux personnes. Donc, il faut absolument pas que je meure. Et au moment où je dis ça, évidemment, on a des petits pièges qui éclatent. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des gardes ici. Donc, on va directement avancer avec œil de glace. Voilà, arrête-toi. J'ai fait une connerie, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, 77%. Lui tirer dessus. 100%. Voilà. Et la confrontation commence, les amis. Perte de contrôle. Bah, ça commence bien. J'adore ça. Ils sont nombreux encore. Hein. Alors, c'est à qui ça? C'est à ta pilule. Futé, on va le faire grimper pour aller s'occuper de ceux qui sont là-haut. Alors, ours, ça fait beaucoup de dégâts en général, donc c'est bien. Par contre, oh là là, ils sont très nombreux. Je pense que l'excanium va prendre très cher. Comme d'habitude, hein, il avance toujours comme un couillon, donc forcément. Il peut prendre très cher. Et vous voyez, il y a des caméras de surveillance. Je pense que nous sommes toujours surveillés. Ah, c'est bien, ils se blessent entre eux. C'est très bien, ils se blessent entre eux. Je kiffe. Alors, œil. Et un de moins. Par contre, œil, il l'a pris un peu cher. Alors, Takayuki. Bah, tu vas avancer là, du coup. Hein. Pite les pétoires. Tu viens là, sur qui tu peux tirer? Attaque gratuite, parfait. Perte de contrôle, évidemment. De toute façon, oh, il a bien joué, mais. Alors, il faut absolument que j'aille soigner les des glaces. Et ce sera pour une autre fois. Ours pourrait soigner les des glaces, mais elle ferait pas beaucoup de soins, donc je préfère utiliser ses très bonnes compétences de tir. Les pétoires, évidemment, t'es pas très bien protégé. L'excanium, ça va. Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Et un de moins. On progresse toujours.
Alors, Pete l'épétoir. Je vais le faire aller en haut, parce que lui, comme c'est un tireur, il aura une position plus intéressante, 60%. Et il touche. Alors, toi, tu peux tirer sur qui? 37%. De toute façon, tu vas pas bouger. Tant que tu blesses pas un équipier, ça va. Esquive. Perte de contrôle. C'est pas grave, tu fais mal quand même. C'est bon. Attaque d'opportunité, vas-y. C'est bon. Oh là, il y en a un qui s'est TP. C'est pas très legit, ça. Allez, vas-y, soigne, œil de glace. Parfait. Et on te met en embuscade, ça coûte rien. C'est à qui de jouer? Futé. Ah putain, dommage. En un coup, ça aurait été beau. Alors, ours. Ours, il va falloir qu'elle bouge pour être utile. Donc, elle va aller par là. Là, on prend un peu de dégâts. Ça commence à faire des dégâts. Non, fallait pas rater ce genre de choses, Takayuki. 100%. Dommage, j'ai pas de tir gratuit. Ah oui, en plus Futé, il a saignement, donc c'est pas cool. 58%. On va tenter. Raté. Non, mais non. C'est l'enfer. À chaque fois, ça recommence. Ah, mais ça nous a déjà fait ça dans l'épisode précédent, là. C'est pas vrai. Ils vont pas tous mourir. À chaque fois, il y en a un qui meurt définitivement comme ça. Je peux pas me le permettre. Je peux pas me permettre de perdre des personnes. Sauf que là, ça veut dire qu'il faut refaire tout le combat et qu'en plus, enfin, voilà, il était bien parti ce combat. Franchement. Et tout a basculé en rien, quoi. En rien. En un rien de temps. En un rien de temps, tout a basculé. C'est un peu déprimant. Perte de contrôle, de l'excanium, évidemment, comme d'habitude. Donc, à chaque fois, il va s'en prendre plein la gueule. Alors, on va avancer jusque là, dommage qu'on n'ait pas pu se mettre en embuscade. On va écarter un peu pour éviter à Pilu de se prendre des dégâts comme la dernière fois. En fait, je devrais limite mettre l'excanium super loin derrière, comme ça, même s'il arrivait en perte de contrôle, il avancerait pas tant. Il avancerait pas tant que ça. Alors, 33%, 48%, on va continuer à 100%. Hein. Alors, pite les pétoirs. Takayuki. Donc, Takayuki au milieu, il était pas mal parce qu'il y avait vraiment beaucoup. Parce que tout à l'heure, j'avais eu énormément de chance avec l'excanium qui s'était avancé comme un couillon. Perte de contrôle de l'excanium. La petite grenade. Tout ça à terre. Alors, ours. Ah, c'est dommage, j'aurais bien fini lui, mais elle va pas réussir. Dommage. Oh,
Ah, il le finit pas, c'est con. Et ils vont me tuer l'excanium encore. Perte de contrôle de qui? Ah. C'est con parce que j'aimais bien qu'il soit en haut là. Alors, et de glace. Voilà, très bien. Perte de contrôle. Il s'éloigne de plus en plus, donc il va finir par crever. Boum, ça c'est bien fait pour toi. 92%. Je vais avancer un peu. Alors, je vais aller filer un coup de main à Takayuki parce que ça va être un peu compliqué sinon. Toi, tu vas soigner œil de glace. Et puis tu vas soigner aussi ours pendant qu'on y est. Tu peux pas. Tu vas te mettre en embuscade. Allez, Excanium, faut que tu résistes. Bon. Je crois que c'est mort. Alors, Pete. Yes. Ah merde, à 67%, ça aurait dû passer. J'ai enfin le contrôle sur lui. Tu reviens là. Que je puisse te soigner. Ça serait très bien que je puisse te soigner. Oh putain, je peux pas aller jusqu'au bout. Ah, je vais pas pouvoir le soigner tout de suite. Eh bah du coup, c'est lui qui a tout pris. Alors... Et boum! Génial! Du coup, faut que je redescende avec lui, j'ai pas le choix. Non! Bon. Bah, j'aurais fait ce que j'aurais pu pour le protéger lui, hein, mais. Au bout d'un moment, il veut pas. Hein. Moi, je peux pas le sauver à sa place, hein. Oh putain, je peux tirer sur personne. Ils sont trop bien protégés, les chieurs. Allez, je tente avec ours, on verra bien. Faut que je redescende avec futé. Ah, fait chier. Du coup, c'est ours qui a trinqué, quoi. Et c'est maintenant que je te contrôle, quoi. Ça sert à rien. 100%. Ça c'est très bien par contre. J'aurais aimé que ce soit ours
ce tir aussi. Alors du coup, parce que là il va falloir que je soigne ours. Dommage, ça l'a pas tué. Voilà, l'excanium c'est mort. Faudra que je soigne ours d'abord. Parce qu'elle a un kit de chirurgie, je crois qu'après ce sera la fin, ce sera le dernier acte de chirurgie que je pourrais faire, j'aurai plus de chirurgie. Autant dire qu'à mon avis, il faudra absolument que je... Il faudra absolument que je repasse dans un magasin, c'est pas possible. Ah putain, j'ai raté. C'est qui là? Allez, pite les pétoires. Putain. Tir gratuit? Non. J'y ai cru au tir gratuit, mais non. GG. Pite à côté. J'ai plus assez de points pour le soigner. Ah non, c'est pas ça, c'est que je me suis trompé de d'icône. Voilà. Bon, par contre, on en a plus que 30 quoi. Bon, 30, ça va, c'est encore. C'est encore pas mal. Ah, j'ai pris cher. Et voilà! Ah yes, il a été soigné, j'ai même pas besoin de d'utiliser mon mes kits de chirurgien. Hein. Ouf. On charge tous. Est-ce qu'il y a des kits de soins? Ouais, il y a des kits de soins là. S'il pouvait y avoir des kits chirurgicaux. Alors attendez, on va faire une petite sauvegarde. Pilule, tu vas prendre ton niveau. Merci. Tu vas soigner. L'excanium est futé quand même. L'excanium, il passera jamais son niveau, quoi. Voilà. Et du coup, je refais une petite sauvegarde parce que je veux pas d'échec critique, je veux absolument ce qu'il y a à l'intérieur de ce machin là. Il faut absolument, s'il pouvait avoir des kits chirurgicaux, ça m'arrangerait. Est-ce qu'il y en a ailleurs sinon? Pire, non? Échec, pas d'échec critique s'il te plaît. Ah, et non. Malheureusement, c'est pas un kit chirurgical. Dommage. Bon. Alors là-haut, est-ce que ça va être piégé ça? Ah, je peux pas l'ouvrir. Alors du coup, est-ce que en termes de compétences, force brute, et il me faut 6 points. Je peux pas. C'est con. Bon bah tant pis. Est-ce qu'il y a autre chose à ouvrir? Par ici. Non, il y a l'air de ne rien avoir. C'est juste la porte qui va être piégée, j'imagine. Non, mais elle est verrouillée. Il nous faut 30% de chance. D'accord. Alors, je fais une sauvegarde. Pour pas avoir d'échec critique. Après, il faut aller vers le nord, donc. Voilà, échec critique, qu'est-ce que je disais? On fait la petite sauvegarde. Je sais pas, j'aimerais bien savoir le pourcentage de chance
d'échecs critiques quand t'as 30% de chances de réussite. Parce que moi, j'ai eu des échecs critiques. En veux-tu, en voilà sur ce genre de succès à 30%. Non, enfin bon, c'est comme ça. Mais j'ai pas l'impression que la chance soit avec nous aujourd'hui dans mes petites sessions là que j'enregistre. Échec critique. Voilà, qu'est-ce que je disais? Encore un échec critique. Bon, bah voilà, on va faire des petites coupures comme d'habitude et puis je vous retrouve dès que j'ai réussi. Ah, réussite critique. Bah disons que ça change. J'aurais eu juste deux autres échecs critiques avant de réussir. Donc tout ça pour aller dans un endroit qu'on aura déjà eu avec une télé qui nous surveille. Et une autre télé qui nous surveille. Et une porte qui nous surveille. On peut la forcer. Donc nous allons la forcer. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oh. Ah. Oh. Oh. J'espère que je vais pas devoir affronter ces gros trucs. Est-ce que ça a marché? Non, ça a pas marché. Ou c'est que je l'ai arrêté? Je sais pas. Voilà, réussite. On peut sauvegarder. Et on peut avancer. On pourrait aller sur les côtés. Et je suis. Vous imaginez ça? Vous croyez que c'est un truc qu'on va devoir affronter, ça? Une grosse machine comme ça? En tout cas, c'est des robots qui fabriquent des robots. Hein. Et il y a des robots partout. Et il n'y en a pas qu'un truc comme ça. Non, je veux pas tout affronter, c'est pas possible. Oh là là. On va en chier. The destroyers of Guardian Citadel. I've been waiting so long for this. Les destructeurs de la citadelle des gardiens, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Comment? Vous ne savez pas qui je suis? Mathias! Ils ne savent pas qui je suis. Vous n'avez pas deviné, Rangers? C'est Dugan, mon ennemi juré. Le monstre robotique duquel je devais sauver LA. Du génie, patron. Du génie à l'état pur. Qu'est-ce que vous avez à voir avec la citadelle des gardiens? C'était moi, autrefois. Et chez moi aussi. Les Rangers nous ont écartés de là, les autres gardiens et nous, alors que nous étions sur le point d'atteindre la transcendance. Mais peu importe maintenant, vous n'avez fait que retarder l'inévitable. Il est en cours de préparation pour notre retour au moment même où nous parlons. Votre lutte pour votre survie n'est rien à nos yeux d'immortels. Vous voulez dire que Dugan n'est pas votre ennemi? Tout dieu a besoin d'un ennemi pour inspirer ses fidèles. Jusqu'à ce que vous, les Rangers, ne débarquiez, j'ai dû en inventer un. Et quelle meilleure façon de couvrir tous ces vols de ressources? Je vole les gens pendant que Mathias promet de protéger les gens de moi, et ensemble, nous construisons toujours plus de synthé et de membres augmentés avec notre butin. Un partenariat gagnant-gagnant. Alors, attendez, Mathias est votre patron? Nous sommes plutôt des partenaires. Nous avons été tous deux choisis par les gardiens pour devenir exaltés. Et quand l'IA arrivera, nous dirigerons l'avenir ensemble. Nos esprits unis d'une façon que nul homme ne pourrait comprendre. Comment ça, en cours de préparation? Vous n'êtes pas au courant? Mathias a activé tous les vieux systèmes de sécurité dissimulés depuis une éternité au sein de la citadelle et les a retournés contre vos amis. Vargas et ses bouchers sont probablement tous morts maintenant. Vous allez les rejoindre. Vous pensez être immortel? Lorsque nos esprits auront été transférés dans de nouveaux corps, ils deviendront immortels. Vous pouvez détruire un de nos corps, ou même une centaine, mais nous pourrons toujours le transférer nos esprits à l'intérieur d'un autre. Nous ne mourrons jamais. C'est quoi cette histoire d'IA? Vous la connaissez en tant qu'IA de la bâche cochise, mais c'est devenu bien plus que ça. C'est un dieu désormais, notre créateur, bien plus que les gardiens ne l'ont jamais été. C'est également notre sauveur, car c'est l'IA qui nous unira. Mathias et moi, avec toutes les machines et tous les ordinateurs du monde, nous serons des dieux. Vous connaissez cette vieille blague qui dit « Si je vous le disais, je serais obligé de vous tuer ?» Eh bien, nous vous l'avons dite. Maintenant, nous allons être obligés de vous tuer. Enfin, pas nous en tout cas.
Nous sommes trop occupés à nous préparer à envahir l'Arizona. Robots, à l'attaque! Aïe aïe aïe. Alors, des robots, ok. Et canon à maison, il est où lui? Alors, ils sont où les canons à maison? Il y en a un là. D'accord, il y en a que un là. Ok, j'aurais bien aimé pouvoir sauvegarder juste avant d'entrer, mais tant pis. Bon, pour une fois, Alex Canyon m'écoute. Mais ça va être compliqué. Par contre, le champ de bataille est très beau. Mais c'est pas ça qui va nous sauver. Pilule, ok. Alors, est-ce que je peux tirer? Bon, pff, je suis beaucoup trop loin. Est-ce qu'on peut passer par là déjà? Ah non, on peut pas passer par là. Ah merde, donc on va être obligé de passer par le milieu en fait. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, à droite ça passe. Putain, j'aurais dû aller à droite. À gauche c'était le piège. À gauche c'était le piège. Ok, canon à maison verrouillé, ok. Sur l'Excanium, évidemment. Évidemment, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'après on va devoir aller en retourner en Arizona pour sauver nos amis? Perte de contrôle, off course. C'est à qui de jouer là? Ok. Pilule. Il faut que j'aille par là pour essayer de le tuer lui. Pite les pétoires. Et là on est assez mal. ...100%. Ok. Un du tour. J'imagine qu'il va pouvoir nous tirer dessus aussi. C'est bon, c'est raté. Aïe aïe aïe. Étourdi, ok. De toute façon, Alex Canyon, je m'attendais à ce qu'il meure, évidemment. Il ne pouvait en être autrement. Ah, les embuscades qui fonctionnent. Ça fait plaisir. Bon, par contre, l'Excanium. Si j'ai le contrôle sur toi, à la limite, je peux peut-être te tirer de ce premier faux pas. Et... bon, au moins, il aura tué un robot avant de crever. Alors, c'est à qui de jouer, là? Futé. Ah, j'ai pas de deuxième coup, c'est con. Ça c'est très chouette. Alors faut que j'avance un peu, mais je vais pouvoir lui tirer dessus. Et comme elle a roboticien, ouais. Perte de contrôle de pit l'épétoire, mais ça devrait le faire. Je vais me mettre là en embuscade. En charge, ouais, de toute façon. Ah, nice. Un de moins. Vas-y. Oh oui. Voilà. Ça c'est fait. Ah putain, je lui ai rien fait comme dégâts. C'est con ça.
Ah, par contre, pilule, elle fait plus de dégâts. C'est très bien. Allez, on revient par là. Perte de contrôle. Perte de contrôle. Et maintenant. Ouch. Et donc il y a Takayuki qui a pris assez cher. Il est génial cet endroit, mais et je peux raise, mais c'est un peu useless de raise l'Excanium. Je vais essayer de finir le combat, on va voir s'il reste tout seul comme tout à l'heure. Si c'est pas le cas, j'utiliserai, mais sinon je vais essayer de pas gaspiller. Il reste plus que le... Ah non, il en reste un. Merde, il en reste un. Ah, je croyais qu'il y avait plus que le... C'est qui là? Alors, il y a des glaciers de foot là. Ah, il en restait un machin. Merde. J'avais pas vu. Je croyais qu'il restait que le canon à maison. Ça change pas grand chose dans ma stratégie, mais bon. J'aurais préféré qu'il reste que le canon à maison. Évidemment. C'est à qui de jouer? Takayuki. Takayuki, tu vas où du coup? Takayuki, faut qu'il aille faire celui-là. Mais merde, ah oui, mais il est bien blessé, Takayuki. Pilule. Ah ouais, mais pilule, je l'ai mise trop loin. J'aurais dû soigner Takayuki. C'est à qui de jouer? Fin du tour. Si je vais là, est-ce que je peux tirer sur le truc? Je peux. Ok. Alors, je vais aller détruire lui si je peux. C'est à qui de jouer là? Ah oui, c'est affûté. C'est lui qui a la cible de toute façon. C'est à qui de jouer après? Canon maison. Alors, je vais le mettre là. En charge. C'est à qui de jouer là? Futé. Pas futé. Voilà. Très bien. Du coup, faut que je me protège un peu, je pense. Attaque gratuite. Cool. Tu vas venir derrière lui. Voilà. Donc toi, tu vas venir par là. Voilà, pour que le canon soit dirigé vraiment à l'opposé de tout le monde. Accroupis-toi. Allez. Ça nous coûte un max en termes de munitions. J'ai pas vu ce qui s'était passé, mais il a dû prendre un peu cher. C'est con que la caméra se soit mal mise, mais bon. Shoot! Nice! Bon, et ben ça n'a pas sauvé. L'Excanium. Donc, l'Excanium, ben, on va te raise avec ce qu'on a. Il t'aura toujours pas pris d'XP. Bon. Alors du coup, on peut faire un petit appel.
Hop, voilà. On a fait du bon boulot. Du coup, on va soigner l'ex-canium. Again, ça va devenir un running gag. Un running gag. Et on va soigner... Alors attends, qu'est-ce qui soigne le plus? Ça, on va soigner futé. Voilà, c'est pas mal. Bon bah écoutez les amis, du coup on va se laisser là dans cette salle magnifique avec une petite sauvegarde en plus rapide, automatique. Donc cette salle qui est magnifique, des révélations donc sur les grands méchants qui ne sont autres que Dugan et Mathias réunis, sachant que eh bien on va devoir les affronter mais qu'ils sont peut-être partis en Arizona, donc notre base est peut-être en danger, notre propre citadelle. J'espère que cet épisode vous a plu, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour la suite de Wasteland 2. Salut, salut !